Bonsoir à tous, avec un grand moment dans la vie de la montagne, avec l'inauguration, l'illumination du sapin de Noël de Megève. Nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude, vous entendez l'ambiance. Les lumières avec ce sapin de Noël qui va être illuminé dans un instant. Je vous laisse écouter la musique. En direct depuis Megève, les Alpes du Nord, en direct pour l'illumination du sapin de Noël sur la place de Megève, la plus belle place des Alpes françaises. Ce soir, avec beaucoup de monde sur cette place, une ambiance tout à fait exceptionnelle. Et surtout, ce sapin, regardez cette église, tout est beau ici. La musique, en direct, comme si vous y étiez. Avec beaucoup de parapluies qui sont là ce soir présents. Malheureusement, la pluie est présente, notre grand rendez-vous en direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre, le parapluie nous gêne un peu, mais c'est bon, on a récupéré une place importante ici. Regardez, écoutez! Direct depuis la plus belle station des Alpes françaises, Megève, les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, pour l'inauguration de ce sapin de Noël, avec beaucoup de monde qui danse ce soir malgré la pluie mélangée de neige qui tombe, une ambiance qui marque le début de la saison. C'est la 50e année qu'on a un sapin magnifique sur la place du village de Megève, un immense épicéa qui a été ramassé dans la montagne et qui est ici. On écoute la musique, l'ambiance depuis Megève ce soir en direct. Thank you.
En direct depuis la station de Megève à 1100 mètres d'altitude avec l'illumination du sapin. Beaucoup de monde ce soir, plusieurs milliers de personnes présentes avec beaucoup de parapluies certes, avec une température froide. Il a beaucoup neigé ce matin, on attend beaucoup de neige cette nuit encore. Et le sapin qui s'enflamme, qui s'embrase ce soir dans la plus belle place du village, les Alpes françaises. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Malheureusement, je ne peux pas lire vos commentaires. Je vois la liste des gens qui regardent, mais je n'ai pas les commentaires. Alors, on les lira tout à l'heure. On vous laisse en compagnie de la musique sur l'ensemble ce soir. Beaucoup de monde ce soir sur la place de Megève pour ce direct. Malheureusement, je n'ai aucune possibilité de lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en poser. Il y a un message à mon jumeau aussi, il a quelque chose à me dire. Il peut les communiquer par SMS, je ne peux pas lire les messages, bien sûr. Ce soir, regarde ce sapin magnifique, embrasé ce soir, à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Vous y êtes en direct avec nous ce soir.
alors que la neige commence à tomber ce soir sur la station de Haute-Savoie où nous sommes en direct. Une nuit blanche pour beaucoup et en tout cas pour tous les habitants d'ici sur la neige qui commence à tomber maintenant depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et ce sapin illuminé, 13e édition, mais 50 années de sapin sur la place du village, la plus belle place du village des Alpes françaises alors que la neige tombe. Toujours en direct depuis la célèbre station, chère au Rothschild, Megève, mètres d'altitude. On va se glisser un petit peu parce que les parapluies nous passent devant. Voilà pour ce direct. Merci, vous êtes très nombreux à nous suivre. Encore une fois, je ne peux pas lire les commentaires, mais on les lira après coup. Merci pour vos messages. Merci aussi pour votre présence ce soir en direct depuis Megève, la célèbre station de sport d'hiver des Alpes françaises. Les commentaires, le sapin est magnifique, magnifique petit coucou de Montpellier, merci à vous. En direct depuis Megève, la Haute-Savoie pour l'illumination de ce sapin, on est en direct, vous y êtes, la neige qui commence à tomber, l'ambiance qui est particulièrement chaude ce soir avec l'ouverture de la station, 13e édition de cette illumination et surtout 50e année que le sapin trône tous les hivers sur la place du village. Un moment très familial, les parents, les enfants sont nombreux ce soir, on les voit ici alors que la neige commence à tomber. Beaucoup d'ambiance ce soir avec beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. C'est un avant-goût de Noël déjà avec ce sapin qui sera illuminé tous les jours, toutes les nuits, pendant pratiquement tout l'hiver. Toujours en direct depuis la station de Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, alors que la neige continue, commence à tomber sérieusement maintenant, et ce sapin toujours illuminé ici, avec cette ambiance très particulière, cette musique effectivement très moderne on va dire, qui contraste un petit peu avec l'ambiance de Noël. Je le m'ouvre dans le salon avec cette musique différente, et on continue à bouger avec vous, en direct depuis Megève. We'll be right back.
pour tous ces petits cœurs. On rappelle qu'on est ici à l'illumination du sapin de Noël de la plus belle station des Alpes françaises, la Haute-Savoie, Megève, alors que la neige commence à tomber et que tout à l'heure on aura un sapin qui sera peut-être complètement blanc. Musique, ambiance depuis la place du village de Megève. Voilà le petit Megève, la station de Haute-Savoie en direct ce soir avec ce sapin qui va s'illuminer sous les flocons de neige alors que la neige nous a rejoint. On va se pousser un petit peu pour prendre un petit peu de place. La neige qui tombe toujours ce soir en direct et ce sapin magnifique. Depuis Megève, alors effectivement le déhanchement est difficile avec le smartphone dans la main. Cette neige qui tombe maintenant, elle tombe sur le Jura nous dit-on, et à mon avis elle va continuer à tomber toute la nuit ici avec ce sapin de Noël, merveilleux sapin de Noël, cet épicéa sur la place ici qui vient de la montagne. Il a été ramassé dans la montagne, il finira ses jours ici. Quelle beauté, quelle ambiance de Noël. En direct avec beaucoup de parapluies qui circulent ce soir, qui nous gênent un petit peu. Voilà, on les retrouve. Et la neige qui tombe. Et c'est certainement les Daft Punk qui sont présents ce soir. On les a pas vus, mais ils sont certainement là ce soir pour mettre le feu, regardez, sur cette place du village avec la boutique à l'art. Le fameux créateur du fuseau à l'art ici. Et c'est ce sapin magnifique. Hein. La neige continue à tomber. Les Daft Punk qui sont présents ce soir manifestement, regardez, ils sont casqués, on les reconnaît. Ils sont là ce soir, c'est pour ça que la musique est un peu particulière. Alors que le vent commence à se lever et que la neige continue à tomber. Sapin de Noël avec la neige qui tombe, avec cette ambiance très particulière et cette musique des Daft Punk qui est présente ce soir. Alors est-ce que c'est les Daft Punk en personne, je ne sais pas exactement, vous tiendrez au courant bien sûr, mais en tout cas cette ambiance est particulière avec ce groupe qui met le feu ici et cette neige qui tombe, regardez ici devant les lampadaires, on la voit tomber, qui continue à tomber et qui va tomber toute la nuit pour l'inauguration, l'illumination de ce sapin de Noël. Un véritable sapin, on est un épicéa, cette neige qui tombe toujours. J'espère que la connexion est bonne et j'espère surtout que la visibilité restera bonne pour finir ce direct, évidemment.
ambiance particulière encore une fois pour cette illumination avec les Daft Punk qui sont présents ce soir musicalement, faut pas qu'on puisse dire, avec toujours cette neige qui tombe et qui tombe de plus en plus fortement et qui va justement peut-être blanchir ce sapin dans quelques temps. Nous sommes à Megève en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec un temps dégradé mais une ambiance chaude. Il fait froid ce soir, mais il y a de l'ambiance avec ce beau sapin, magnifique sapin, un vrai sapin, alors qu'on sait que malheureusement parfois les traditions peuvent se faire. La neige qui tombe et qui refroidit l'ambiance malgré tout, parce que c'est chaud ce soir comme ambiance à Megève en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord, avec ce grand moment de l'inauguration, l'illumination du sapin de Noël en musique ce soir avec les Daft Punk, vous voyez, rien que, vous voyez, et cette neige qui tombe, qui continue à tomber. J'espère que la visibilité est bonne parce que le smartphone est quand même bien exposé à la neige qui tombe. Regardez ces flocons qui tombent ici. Cette ambiance toujours la même, très belle ambiance ce soir, très chaude ambiance, avec beaucoup de monde sur la place du village de Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, et ce soleil, cette neige qui tombe, et cette lumière ici, avec cette ambiance très particulière. Regardez, les flocons de plus en plus nombreux, vous les voyez, de plus en plus serrés, les parapluies blanchissent, regardez, ils sont devant moi, ils blanchissent littéralement. C'est l'arrivée brutale de la neige, en même temps que le sapin de Noël. C'est pas beau ça, c'est merveilleux.
la neige qui tombe de plus en plus fortement sur la station de Megève avec cette illumination du sapin en musique avec les Daft Punk ce soir. Une ambiance particulière avec cette neige qui vient nous blanchir de plus en plus et qui promet une nuit blanche, c'est le cas de le dire pour beaucoup d'entre nous ici. Avec, regardez bien, cette neige qui tombe de plus en plus abondamment. Je vous montre les parapluies qui sont complètement blancs ici. On voit un parapluie qui est blanc. Regardez cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Ce soir sur Megève, pour l'illumination de ce sapin de Noël. Station de Megève avec les Daft Punk, effectivement c'est une musique particulière, on va le dire. C'est peut-être les sosies sous les casques, tout est permis, mais dit-on, effectivement. Pas sûr qu'ils soient ici, évidemment, puisque je les croyais en retraite, les Daft Punk, alors c'est peut-être les sosies. On ne sait pas, on verra tout à l'heure, je donnerai l'information, évidemment. Alors que l'ambiance continue. La neige qui tient partout, regardez, depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, c'est magnifique, c'est une ambiance extraordinaire. La neige qui tombe très très soutenue maintenant, avec ce sapin qui vient de s'éteindre mais qui va se rallumer avec de la musique, bien sûr, avec, on le rappelle, une ambiance chaleureuse ici, avec cette ambiance tout à fait particulière. Ce rendez-vous, qui est un rendez-vous phare, qui lance la station de ski, évidemment, avec les restaurants qui ouvrent, avec les hôtels qui ouvrent, avec beaucoup de monde ce soir. Et cette ambiance incroyable, avec cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe, et ce sapin. Et les Daft Punk, alors ceux-ci ou pas, j'en sais rien, on verra tout à l'heure. Les parapluies sont blancs, la musique est là, les gens se régalent, tout le monde est blanc. On danse ce soir sur cette ambiance très particulière, en direct depuis
ce beau village de Megève avec cette neige qui tombe. Les chansons blanches, on dirait des bonhommes de neige ce soir. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Regardez les bonhommes de neige ici, regardez comme c'est beau. Tout est blanc ici, tout est blanc, tout est beau. Le sapin aussi, le parapluie qui est devant moi aussi. Et la neige qui tombe, regardez encore plus fortement maintenant. En direct, si vous nous rejoignez depuis Megève, les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, sous une tempête de neige pour l'inauguration, l'illumination de ce sapin, la 13e édition, avec les chants bien sûr qui sont présents, la musique qui est présente ici, avec cette ambiance absolument incroyable, avec ces parapluies tout blancs, avec ces gens qui sont très très nombreux ce soir. C'est le lancement de la saison de la station. Regardez à quoi ça ressemble, regardez bien des bonhommes de neige derrière moi. C'est Megève en direct sous une tempête de neige. Quel beau symbole, cette neige qui arrive au moment où le sapin est illuminé. Il ne manque rien de Noël. Peut-être un peu la musique, c'est un avis personnel, mais c'est tout. Qu'est-ce que c'est beau ce soir. Regardez le sapin comme il est magnifique. Regardez ce sapin. Un épicéa qui mesure, je crois, une vingtaine de mètres de hauteur, un petit peu moins peut-être. Et qui est un véritable épicéa de la montagne. Et qui va terminer ses jours ici. Quelle beauté. Les paillettes du Père Noël qui tombent ce soir dans ce direct, encore une fois, avec ce sapin de Noël magnifique et cette neige qui tombe de plus en plus fortement ici et qui réjouit bien sûr tous les gens qui sont présents ce soir pour ce grand moment. On rappelle qu'il s'agit du début de la saison, que nous sommes en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord à 1100 mètres d'altitude et que la neige nous a rejoint fortement. Il a beaucoup neigé ce matin et il neige beaucoup. Très jeune la musique, oui, nous dit Johan Guillerma. Merci Johan de ton soutien. Johan, que vous retrouvez tous les soirs sur cette page en direct à 19h. Surréaliste d'hiver ici, ce sapin qui blanchit à vue d'œil alors que derrière l'église de Megève blanchit aussi avec ses flocons qui tombent. C'est la carte postale rêvée. Journée symbolique extrêmement forte ici avec cette neige qui tombe, qui augure d'un bel hiver, on le précise bien tout de suite. Toujours beaucoup de neige, toujours beaucoup de personnes, toujours ce sapin magnifique avec peut-être des Daft Punk ou des sosies, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ils sont là, ils mettent le feu ce soir. Musique.
Effectivement, on est tous devenus des bonhommes de neige ici ce soir. Regardez ces parapluies qui sont blancs. Tout le monde est blanc ce soir. C'est de la couleur dominante du soir avec ce sapin. Et cette neige qui continue à tomber, qui redouble encore ce soir sur la Haute-Savoie. Soyez prudents sur les routes, on va vous le dire au passage. Parce que les conditions deviennent mauvaises. Mais on en profite, le sapin est là. Tout le monde est heureux ce soir. Vous entendez les applaudissements ce soir, généreux, fournis sur cette place du village. Vous êtes très nombreux à nous suivre pour ce direct. On vous en remercie infiniment. Voilà, on ne sait toujours pas qui étaient les auteurs ce soir, alors qu'on voit, nous, les parapluies qui blanchissent, les jambes qui blanchissent, cette ambiance particulière. On n'a que des bonhommes de neige ce soir, on dirait. C'est absolument extraordinaire. Les parapluies, comme ils sont beaux et blancs ce soir. Avec ce sapin qui, regardez, va prendre les couleurs de l'hiver ici. Regardez comme il est beau ce sapin, merveilleux sapin. Encore une fois, nous sommes en Haute-Savoie en direct depuis les Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude, la station de Megève, sous la neige, avec, écoutez bien, la rumeur des gens qui apprécient ces beautés et qui inaugurent d'une belle saison d'hiver. On croise les doigts pour que tout se passe bien, mais pour l'instant, tout est bien parti. Voilà. Alors que la neige continue à tomber, que tout vient de l'or. Et c'est reparti pour un petit tour de musique. Direct depuis Megève, sous la neige qui tombe, le sapin qui
pour l'instant, redevient plus noir et cette neige qui tombe, tout le monde est blanc. Regardez, on dirait des bonhommes de neige. Ce soir, vous êtes très nombreux à nous suivre en direct. Merci à vous pour ce direct depuis cette illumination, depuis cette place du village de Megève en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont avec nous ce soir d'un peu partout pour partager ce moment. C'est le début de la saison d'hiver. La neige est là, l'ambiance est absolument incroyable ce soir. Regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez, comme moi, les flocons tombés, cette neige qui tombe, ce sapin qui s'illumine et cette ambiance particulière sur la plus belle place des Alpes françaises. Nous sommes en Haute-Savoie, à 1100 mètres d'altitude. Regardez ici la boutique Allard, créateur du fuseau qui est illuminé ici. La mairie de Megève en travaux pour l'instant là derrière. Et les gens qui vont maintenant se disperser puisque c'est quasiment terminé. Je vais rester un peu seul sur cette place. On va pouvoir reprendre un peu les commentaires. Regardez, le sapin va se dégager complètement. L'église est déjà blanche. Regardez autour de nous ce qui se passe avec beaucoup de gens qui sont là, présents justement ce soir, avec ces parapluies qui sont largement blanchis. Regardez cette ambiance particulière. Beaucoup de photos, beaucoup de vidéos faites ce soir depuis Megève. Je pense qu'on va peut-être assister aussi à l'illumination. Voilà le sapin qui est ici. Regardez comme il est beau. Il est magnifique sous la neige ce soir. Le sapin qui va rester tout l'hiver. Il va être pris en photo des milliers et des milliers de fois. Il est beau cette année, ce sapin. Regardez ces décorations de toutes les couleurs. Un sapin assez traditionnel, comme on les aime en montagne ici, on vient le préciser ici. Et cette neige qui continue à tomber. Et cette magnifique place du village ici avec ces gens. Regardez comme ils sont. On va circuler un petit peu, puisque maintenant il y a un petit peu moins de monde. On peut circuler. Regardez les bonhommes de neige qui sont présents ce soir. Cette ambiance tout à fait particulière. Cette neige qui tombe. Et toujours ce sapin de Noël. Magnifique, on dit que c'est un des plus beaux, on dit que c'est le plus beau des Alpes françaises, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est celui qui est le prix le plus en photo. 50 ans que ça dure sur cette place, depuis longtemps, bien avant le tourisme même, enfin même au début du tourisme, on avait déjà ce sapin de Noël qui faisait la célébrité de cette place, avec les traîneaux qui ne sont pas là ce soir évidemment parce qu'il y a trop de monde, et cette neige qui tombe dans la station de Megève, les Alpes du Nord, la belle station de Megève, qui va fêter ses 100 ans cette année, justement. Donc voilà, Jean-Pierre Le Caplain qui nous suit. Ça mouille, effectivement, ça mouille. Mais regardez cette ambiance magnifique. J'ai l'impression que ça va se terminer ici. Je vais vous laisser dans un instant parce qu'on est déjà en place depuis un petit moment. On rappelle qu'on est à Haute-Savoie. Regardez ce paysage, cette neige qui tombe fortement. Prudence sur les routes ce soir. Si vous devez prendre la route, nous ferons un point probablement avec mon jumeau tout à l'heure sur les conditions de circulation et toujours cette ambiance particulière. On va circuler un petit peu parmi les gens. On va regarder ce sapin encore une fois qui est absolument majestueux cette année. C'est une grande année. On a connu des sapins encore moins beaux que celui-ci. Je pense qu'il est magnifique. Je vous serai de mon avis, évidemment. On est ici en Haute-Savoie, sous la tempête de neige, on peut le dire. Les gens sont blancs, mais heureux. Alors, on avait un vin chaud prévu qui a été annulé pour les conditions sanitaires que vous connaissez malheureusement. Et d'habitude, c'est un petit peu le rendez-vous après l'inauguration sur ce vin chaud. Je vais m'avancer un petit peu pour voir un peu comment ça se passe. Toujours en direct depuis la station de Megève. On va s'approcher de ce sapin qui est toujours aussi beau. Regardez, il est majestueux. Un épicéa qui a été cueilli, entre guillemets, dans la montagne. Et c'est une chose absolument magnifique. C'est Noël avant l'heure ici, on peut le dire. Tout est là pour rappeler Noël. Évidemment la neige, et on rappelle aussi que les stations ont ouvert aujourd'hui et que Megève vous verra bientôt au temps des vacances, évidemment, puisque le manteau neigeux est épais. On a déjà une quarantaine de centimètres de neige présente au sol et ça continue, c'est pas terminé. Regardez cette neige qui continue à tomber ici ce soir et qui va tomber toute la nuit apparemment sous forme de grosses averses ainsi que demain. Pierrette, pas de vin chaud, mais le champagne, Pierrette. Oui, Pierrette, merci. Bise à toi aussi. Le champagne est là, Pierrette a raison de le signaler. Est-ce que tu peux nous dire, Pierrette, si c'est bien les Daft Punk ou les sosies des Daft Punk qui étaient là ce soir? Parce qu'on m'a posé la question et je n'ai pas la réponse. Hein. Merci pour la vidéo, Pierrette. Si tu peux me dire si c'est les Daft Punk, je vais regarder un petit peu ta réponse tout de suite. On rappelle qu'il y a le champagne. Il n'y a pas de vin chaud, mais il y a le champagne. Le champagne qui colle, bien sûr, à cette belle image de Megève, cette belle station. On dit que c'est la plus belle place du village des Alpes françaises. Moi, j'en suis convaincu. On a visité toutes les places du village des Alpes françaises. Je peux vous dire que c'est la plus belle ici à Megève. Et regardez la preuve, cette neige qui tombe. Ce Pierrette, oui, aucune idée. Elle ne sait pas, Pierrette, si c'est les Daft Punk. Alors peut-être qu'on va se renseigner, peut-être qu'on va trouver. Est-ce que tu sais si Madame le maire est par là, Pierrette? Comme ça, on pourrait peut-être lui poser la question, mais peut-être que tu n'as pas la réponse. On va essayer de voir ce qui se passe ici avec cette neige, ce sapin magnifique et ce clocher qui est là-haut. Regardez le clocher qui a repris un peu de lumière.
te redirai plus tard. Merci Pierrette, en tout cas pour l'information. Pierrette qui est adjointe à la mairie de Megève et qui suit bien sûr. Regardez comme c'est beau ce soir, en direct toujours. Absolument magnifique cette neige qui tombe. La féerie de Noël. Vous savez que la neige, elle n'est pas là, madame le maire, ce soir, effectivement. Donc, c'est pas grave, on aura la réponse, on vous la communiquera. Merci Pierrette, belle soirée à toi. La neige qui tombe, regardez comme c'est beau, en direct, eh bien, vous savez que la neige, c'est un petit peu de froid et beaucoup d'enfance, disait-on. Eh bien, je crois que c'est vrai, un petit peu de froid et beaucoup d'enfance. Regardez, on retombe dans l'enfance, on vous laisse découvrir cette neige qui tombe. Merci, on va clore ce direct ici, vous êtes très très nombreux à nous suivre. Regardez les photos qui sont faites en ce moment, regardez tous ces gens qui prennent des photos sous la neige. Regardez, ben, il y a énormément de photographes, énormément de gens qui prennent des photos. C'était une belle soirée, réussie, le champagne, il est par là-bas, alors on ne s'approchera pas du champagne tout de suite. Manifestement, il y a déjà des gens qui applaudissent, alors on va voir ce que c'est, peut-être que c'est quelqu'un qui est présent là-bas, on ne sait pas trop. Regardez, il y a du monde qui est ici en direct toujours. Regardez, le chien même, le chien est blanc ce soir, regardez. Regardez le sapin comme il est beau, sapin de Noël de Megève, les Alpes du Nord. Vous êtes en direct depuis la plus belle station, on va le dire, c'est une référence maintenant, la plus belle station des Alpes françaises. Et effectivement, les peut-être Daft Punk se dirigent plutôt par là-bas. Alors est-ce que c'est les vrais, est-ce que c'est les faux, j'en sais rien. On va poser la question en direct ici, peut-être qu'il y a des gens qui pourront nous répondre. Bonjour, bonjour, est-ce que vous savez, on est en direct. Bonjour. Il y a un petit peu de monde ici. Vous savez si c'est les Daft Punk qui sont là ou pas? Oui, oui. C'est les vrais ou pas? Apparemment, oui. Je croyais qu'ils étaient en retraite. Ben oui, ben je sais pas, apparemment ils sont donc là. Ils sont là les Daft Punk. Alors les vrais Daft Punk seraient là. Peut-être qu'on aura l'honneur de découvrir leur visage, mais c'est peu probable puisqu'ils se cachent évidemment à l'intérieur. On nous confirmerait donc que ce sont bien les Daft Punk qui sont présents ce soir. Belle soirée, le sapin restera d'une manière générale. Regardez comme c'est beau avec l'église ici, la boutique à l'art ici, la station. N'hésitez pas, si vous avez, si vous connaissez, évidemment, si vous connaissez, que vous connaissez pas Megève, il faut venir faire un petit tour. On aura le temps, l'occasion de circuler dans Megève prochainement. On fera des directs évidemment dans cette belle station avec la neige qui tombe et ce sapin de Noël qui est toujours présent ici. Avec cette merveilleuse neige qui tombe sur ce sapin de Noël. Merci en tout cas pour votre présence ce soir sur ce beau direct. On vous laisse surtout prudence. Si vous êtes en montagne, on fera le point. Mon jumeau sera tout à l'heure en direct. Demain, nous retrouverons Hervé Dufour du côté de Bonneval-sur-Arc, certainement Alain Molo aussi. Et puis Johan Guillermin, bien sûr, qui était au Semnos. On salue Johan aujourd'hui, qui a fait un gros, gros, gros travail sur cette page. Et que vous retrouvez tous les soirs sur la page de la place du village. Merci, belle soirée et à très, très bientôt. Merci beaucoup.